Unlucky. I've also seen the Ocarina of Time low pause Tess. Well, low Tad. That one's pretty cool too. With the itemless escape. That's a funny one. Est-ce que je peux passer adulte, s'il te plaît, le jeu? Oh la vache.
Bon, ça va. C'est pas l'escape de l'année, mais bon, ça passe, hein. Je sais pas si je pouvais faire mieux que ça avec les RNG que j'ai eu là. C'est passé, c'est ce qui compte. Oui, je recorde une macro pour voir pourquoi elle va derrière le puits, elle. Thank you.
Je crois que ça m'est jamais arrivé de pause de frame trop tôt là. Heureusement que j'ai target le pont parce que j'étais pas dans la merde là. Hein. Attends, mais je suis trop con, fallait pas prendre de dégâts ici. Bon, c'est pas grave. Je vais prendre le hibou. J'espère qu'il y a des cœurs dans les rochers, mais j'y crois pas trop. Allez! Putain, c'est chiant les crawl space des fois. Thank you.
Je savais qu'il fallait pas y aller. Yo, thanks, chef. I hope Skyrim was fun. Va bien te faire foutre. Ouais, bon. Les gardes sont dégueulasses. Je veux juste jouer au jeu là. Chef, can you tell me if there's some white noise in the mic? There shouldn't be, but I see something on the OBS audio mixer, and so I'm not sure if it's true or not. Ah, nice, nice. Love to see it. Assassins in Skyrim are always pretty fun to play. I should try to get a bunch of immersion mods, like you have them. Because my Skyrim, with all the mods it has, is still pretty vanilla. Yeah, yeah, but you have over 1,000, right? Surely some of them are not needed. For setting up the roleplay thing, obviously. What?
Bon, ça va être dégueulasse. Ça va être genre 26-20, je pense. Du coup, j'ai déjà un chou en moins.
Teddy. Nice. Let's go. Bon, ça rattrape au moins un peu. Putain de caméra de merde là. Eh ben... Je pensais que ce serait pire que ça. Hein. Encore un spawn de merde, ça. Hein.
Ok, let's go. Bien. Triple slash clip est un peu lent, mais sinon ça va. Deux pauses, je vais pas me plaindre. Oh, les ISS gauche, toujours du mal. Hein. Bref. Ok. Oh, c'était bien. J'ai split early encore. Ça marche, ça? Bah non, évidemment que ça marche pas. Thank you.
J'étais pas sûr que ça marchait ça. J'étais quand même loin à droite. Putain, mais pourquoi je perds autant de temps là? What the fuck? Ça a perdu si longtemps que ça ce que j'ai fait avec la fée là. La vache. Après je la run contre un gold mais bon. Là aussi je vais run contre un gold d'ailleurs. Shout out to Chef Bear for that jump. Sérieux? Ça c'est bullshit par contre. Hein. I got the funny edge case again. Where
You're far enough on the bridge that you don't need to do a diagonal slash. Split. Ouais, j'essaie de voir si c'est mieux de backwalk ici pour le lag. Thank you.
gosh. J'ai failli le down, y'a là. Yo, meuf, merci. Ouais, clairement flemme. C'est tellement chiant l'inverted cam. Merde. Je préfère m'aligner parce que de toute façon je dois être dans l'acquis pour les shields. Je peux prendre des dégâts de l'acquis, mais. C'est un peu chiant après parce que si je prends des dégâts sur la Kiz, le Torchlug en haut là et la bobble, je crève. Donc je préfère chier de la Kiz pour être safe. Du coup bah c'est pas vraiment du temps perdu. Puisque de toute manière je dois attendre que la Kiz elle me saute dessus. Je l'ai vu. Genre là, typiquement c'est chiant parce que si la... c'est comme si la Kiz m'avait touché. Ouais, je sais qu'il y a un HESS mais je préfère ne pas le faire parce que je vais souvent je vais juste rater une bombe ou alors je vais rater le truc au milieu là puis je vais prendre des dégâts donc ça va être chiant, je vais perdre HESS. Je suis pas assez bon pour qu'il soit worth à faire. Puis j'aime bien ce cycle là en vrai. Ça m'arrive rarement de le rater. Nice. Bah en vrai, perso, j'ai pas trop de problèmes de bombe, parce que je fais tellement pas d'HESS, de trucs comme ça, qu'au final, je fais pas l'HESS de la fontaine, je fais pas celui-là, du coup. Il y en a un autre que je rate, enfin que je skip, mais je sais plus c'est où. Ah bah oui, l'HESS pour aller à Lost Woods. Sérieux ? Ouais, tu vois, là, je suis à 17. Allez, mec. C'est le fire des fails qui n'arrive jamais. Enfin, non, plutôt, c'est le fire des fails que j'ai déjà vu, mais qui arrive quasiment jamais. Non, tu vois, là je suis à 16 bombes, je suis large. Faut vraiment que ce soit la merde pour que je sois ras du cul niveau bombe. Tu vois, là le problème avec les HP là, c'est là c'est comme si je m'étais fait toucher par la Kiz à l'entrée. Là, si je me prends le Torchlock dans la gueule, bon ça va, Didier il a été sympa. Mais si je me prends le Torchlock, j'ai un demi-cœur. Donc ça veut dire que si je me prends encore la bubble derrière, je crève. Donc je préfère éviter parce que ça me fait un peu chier quoi.
Surtout que après la bubble, t'as encore les kiss dans la salle de merde derrière, vu que je fais pas l'HESS dans la... dans le labyrinthe. Ouais, c'est vrai que le setup là il est bien. Oui, allez mec. Tu vois là je suis à 20 bombes. Et encore j'aurais pu ne pas prendre le pot mais... C'est vrai que le setup crit elf il est bien quand même. Oh vas-y barre-toi, connard de bot. Moi je le virerai après. Tu vois, ça c'est vraiment le... C'est la vie idéale pour moi, là. Trois quarts de cœur, c'est-à-dire que je peux prendre un coup de la kiss... Bon, je ferai après. Là, la kiss de... en haut, là, à côté du hammer, elle peut me taper, je m'en bats les couilles. Ça me met bien, je suis à un quart de cœur. Oula. C'est quoi cette caméra, là? Ah, c'est bon. Ah, la connasse là derrière là qui va me foncer dessus. Ça a l'air de marcher hein. Oula, je fais haut un peu tôt là, non? Non, c'est bon. Bon, j'aurais dû prendre des dégâts. De la quise. Après, là, il y a encore la backup de la backup de la backup, c'est de prendre des dégâts sur une bombe. Ouais, bah avec ce setup, tu peux faire ce jump slash. Faut faire le jump slash dès que tu sors du hover. T'as un autre setup où tu te mets dans l'autre coin et là faut absolument jump slash plus tard mais Ah ouais sérieux? T'as jusque là? Genre si tu fais haut et tout? Ok bah ça je savais pas pour le coup. Bah je testerai après ce run parce que ouais c'est... Y a moyen ouais. Je pense que t'as raison. Gros fils de pute là le boss hein. Ouais tu te mets dans l'autre coin, ouais Yannis fait ça aussi. Ok ça marche, bah écoute GL pour tes bricoles. Et merci pour GL chef. Putain, si seulement il y avait un setup pour rattraper quand t'as le mauvais angle. Ah
Enfin, quand tu perds la position mais que t'as l'angle, surtout. Bon, ça c'est pas grave. Je sais pas pourquoi j'ai sorti une bombe, j'étais persuadé d'avoir le fiche sur ses gauches, alors que d'habitude je l'ai tout le temps sur ses droites. Notera qu'ici j'étais un ISS à côté de ISS bas et ça a quand même marché parce que ce setup il est trop bien et que t'as toute la marge du monde pour le faire. Tac tac tac. Je sais jamais s'il faut faire un ou deux fois droite ici. Faut que je repractice ces équipes. Ça. Ça me casse les couilles quand ça fait ça. Je fais R trop tôt. Y a pas de backup hein, pour ça. Hein. Ou alors faudrait que j'en trouve une, mais bon. Thank you.
2 frames. Il va falloir en pratiquer ça. Hein. La vache. Bon, ça allait en vrai comme deuxième fight. J'ai un peu de time save sur Phantom Ganon. Bon, c'est ma barre, Phantom Ganon, j'ai raté la boss qui skip une fois. Double, nice. J'ai eu un peu peur parce que j'étais assez loin de lui là. Une frame. Deux frames. Ça passe. Normalement. Ouais, c'est bon. Thank you.
Yo, what's up, Joe? Yeah, we're pretty early. I cashed in on the time saving bow. I missed a jungle jump like 3 times in PB. I only missed it once here. So I could be much, much more ahead, but what the fuck is that? Wow. Alright, dude. Hey. Connasse de gouet de merde là. Yeah, boo. Alright, so I'm supposed to get 4 drops over 6 patches and I just got 5 over 3. That's stupid. I might not even need to farm after Water Temple. Yep, I'll be farming after water. I'll definitely be farming after water. Joue au jeu, mec, je t'en supplie, putain! Putain!
Right, I didn't get the best possible case where in the where right after water medallion I can just head straight for resource domain and not farm at all. I have to farm again. I'll need like two drops. Terrible spawn as well. Ça me casse les couilles quand ça fait ça, mais OMG, mais ça me casse les couilles! Putain, pourquoi cet enculé il target pas Morpha là? Merde! Et ben on va farmer 4 drops, super! S'il te plaît, mais grave le lèche. Je vais péter un câble. Allez, putain. Voilà, c'était dur, hein. Allez, go focus. C'est abusé comment j'ai eu que des spawns pourris par contre. Les deux spawns que j'ai eu là, c'est vraiment vraiment dégueulasse hein, par contre. Faut que je vois comment on fait. Bon, au moins ça passe, copium. Du coup, je dois refarm, donc ça servait à rien d'avoir une bonne RNG. Ah, c'était un gold aussi le interjabu du PV. Hey!
Je peux même pas blâmer la RNG, hein, parce que si j'avais pas fait de la merde au water, j'aurais pas eu besoin de refarm, donc... Là c'est clairement... Enfin c'est indirectement ma faute, quoi, même si j'ai pas de chance, là... Merci beaucoup à ça. Ça me touche beaucoup. Ça marche ça. Tant qu'on est dans le ton du va te faire enculer. Ok. Je crois que Nightbot il était un peu choqué par ce que t'as dit, Abso. Un bot chrétien. D'accord. C'est vrai que les premiers chrétiens sont les premiers à défendre leur prêtre. Évidemment. Il ouvre ses yeux, dégage. Après, c'est un peu ma faute. Si j'avais pas raté le moment, il serait pas sorti. Blast run.
C'était un cri twiggle. C'était 100% un cri twiggle. Oh, comment j'aurais pété un câble, mon gars, si ça avait... si ça m'avait fait tomber. Alright, let's go. Hardest boss fight in the game. Ok. Nice. Je peux encore gold ça, hein. Y a de la marge. Y a encore de la marge, hein, clairement. Le jabu en warp était vraiment clean par contre. Mais les quips soit du boomerang, les équipes avant, c'était pas ouf. J'ai mis un peu de temps à aim le switch aussi dans la room avant marinade. Mais du coup, je suis content parce que je commence à voir où est le time save. Alors qu'avant, j'étais en mode vas-y, c'est bon. Comment les top players ils font sub 4 minutes là? Ah putain, c'est vrai que j'ai ça comme time save aussi. Mon PB il rate la super slide et il tombe à Mirror Shield.
Bravo mec. Bon, j'ai duplé pot du coup. Ok, c'était clean. Bon, comme toujours, ça pourrait être plus rapide, mais bon. T'as vu, meuf? Est-ce que t'as vu ce qui m'est arrivé à Water? Link n'a pas target Morpha, du coup, il a hookshot dans le vide et il est mort. Du coup, j'ai perdu genre 2 minutes à Water. Et j'ai dû refarm des bombes drops alors que j'avais eu 4 bombes drops au premier trip au Lakilia. Donc j'ai dû reload, donc j'ai reperdu 40 secondes derrière. C'était vraiment bullshit. Ça va gold. Première fois que j'ai un gold qui hit tous les tricks à Spirit. Même si bien sûr ça peut être beaucoup plus fast. Hein, mais... Qu'est-ce que j'ai foutu dans mon PB ici? Ah oui, putain, j'ai raté One Cycle. Ah oui, oh, c'était triste, ça aussi. Bon, ça va PB, je pense. Si je fais pas de la merde, ça... En tout cas, ça peut PB. Je vais pas te dire que ça va PB, mais ça peut. Si les deux grosses putes là elles sont gentilles, ça peut. Swap 2, non. Best possible time, c'est à peine en dessous de 0.3.
Oh. Ah oui, j'ai encore de la marge sur mes golds, clairement. Putain, mais pourquoi il est là, lui? Dégage! Oh, double. C'était rapide comme fight, ça. Hein. J'ai eu un quick shot, un double. Mais oui, c'est sûr que à mon niveau, on a encore de la marge sur les golds. Hein. Ok. Mais oui, le but là c'est clairement le sub 2, c'est clairement réaliste. Hein. Là le best possible time il est pas en du. C'est pas un 2-0-2-53 là le best possible time si je fais pas de la merde à water. C'est plutôt 2 flat. 2-0-0-20 quoi, un truc du genre. Sachant que j'ai fait vraiment... Mon child était dégueulasse encore. Hein. Ça va gold ça? Ah oui, parce que j'ai pas besoin de prendre de dégâts du coup. Putain la vache, c'est un bon late game ça. J'ai bu les spirits, rien à dire. Bon, maintenant je vais essayer de pas perdre trop de temps sur les trials. Parce que les trials du PB sont vraiment vraiment bons par contre. Toute la fin je vais perdre du temps je pense. Le PB a vraiment un excellent late. PB il va gold. Shadow et Fire Trial, donc ça va être compliqué là. Bon, on va essayer 2-0-4, je pense que c'est faisable. Si j'ai vraiment un très bon late, sinon 2-0-5. 2-0-4, faut que je joue à 2 minutes de mon sub, ouais, ça va être compliqué, mais ça se fait.
Mais il me faut vraiment des très très bons trials. Allez, go focus. J'ai encore fait Void, hein. Je comprends rien à ce backhaul, quoi. Il me faudrait des vrais Q pour le backhaul.
fuck la caméra ici. Ok, let's go. Barre-toi. Bah oui, évidemment, je perds les yeux. Hein. Insupportable ce Wolfos. Hein. Ok. Va te faire enculer. Ah oui. Ah putain, j'ai reclip. Bon, c'est pas grave ça. Même erreur que dans le PB du coup. Hein. Ok, c'est maintenant. Thank you.
Oh, dude. Allez mec. Arrête! Putain, mais ça me casse les couilles ça! Je comprends pas. Pourquoi ça marche pas? Ok. Bon, au moins c'est passé. C'est fou, hein, tu peux vraiment jamais assez praxis Shadow Trial. Hein. Ok, c'était parfait par la fin. Je run contre un gold, donc perdre 10 secondes, je m'en fous. Là par contre j'ai du time save. Hey!
Merde. Ouais, c'était sûr. C'est comme tight hein, de passer ici. Bon, c'est bien. Je suis content, le practice que j'ai fait tout à l'heure sur le mouvement de la salle là, il a payé. Ok, on a passé les trials, leur année en vie. Faut aller farm les bombes là par contre. Commence bien. Bon, je pourrais y aller là, mais je suis bombe perfect, donc peut-être éviter.
Je pose. Dude, that Deku tree was 10 seconds of gold. While having to reload like twice in Kokiri Forest. I can still gold that split by like 20 seconds. It's not over yet, chef. Never know what can happen once Ganon saves. Well, thank you. I appreciate it. Yes, sir. This is a PB pace, indeed.
Oh yeah, I kind of forgot to jump slash. It doesn't really matter though. I can just jump slash on his tail, like in phase 2. Like this. It's also better because you don't have to blindly aim for the tail. But yeah. Honestly, crouch stabbing him sucks. I don't know why people say it's harder to just jump slash him. It really isn't. All you have to do is target and then Link does the thing himself. Unless this happens, yeah. Alright, now it's over. Please! Oh my god. Alright. Yeah, that graph makes no sense. I died in Water Temple. Link just wouldn't target Morpho. I got a shitty spawn. Like, I got the top left corner spawn. And so Morpho was really far, so I had to adapt. And when I hookshotted Morpho to the platform, Link just wouldn't target him. Just hookshot it in the void and I died. That's my fault. I have to learn to adapt better to this pattern. And Shadow Trial happened. I got fucked in the ass by Shadow Trial. I just wasn't able to hold the SS. Thanks on the GGs. Yeah, I still have a lot of time to save. I can gold get deck tree by like 20 seconds. It's gonna be much, much better to run against these though. I have like 2 minutes to save on Shadow Trial alone. Though that was fucking amazing. Jabu, Wrong Warp, and Spirit were really, really good. Yeah, that was ahead of sub. Alright, sounds good, Yanis. I don't think I'll be doing more. I've been streaming for 5 hours. There's some other stuff I have to do. Yo, merci, Kiro. Et t'arrives à la fin, pardon. J'ai PB! Wouh! Alright, good night, chef. Peace. Dude, that was 3 minutes behind my best pace ever entering Jabu. It was that run that died to Jabu Wrong Warp. It was pretty silly. Disgustingly good run. Yeah, I'm really happy about that. That's not really the PB comparison, that's the one. I have time saved pretty much everywhere. I got caught by guards. That's where the time save comes from here. I have like
40 seconds of time save in child. I want to say 10 seconds in hover boots. And then execution mistakes in early game, mid game. Fire Medallion was pretty good, I just had to go for the backup because I lost the position on the wrong warp, so I had to go for the angle backup. Good thing I learned it today as well. I pulled out the bomb instead of dropping the fish, so I had to throw the bomb away. I also have a minute in bow. I messed up jungle jump by pulling the bomb and not insta-dropping it, so that was my fault. And then more for death. Roller coaster graph, surely though. Look at this shit. Alright, we're getting closer and closer, so that's cool. Alright, I'm gonna take another 15 hours to upload this one. I'll just spend my time uploading PVs now. Because I have bad internet. Bon, bah, let's go! Let's go, let's go, je suis content. Ouais, j'avoue, putain, faut que j'arrête de PV. Bon, ouais, je suis content hein, parce que mes dernières sessions c'était vraiment dégueulasse. Déjà là, ça commençait pas bien. Je suis resté en child pendant genre 40 minutes. Je sais pas comment ils font les runners de 100% pour faire genre 5 heures de child 1. Bon, du coup ouais, j'ai du time save un peu partout. Là ça va être très chiant par contre de resave du temps. Genre là, 13 secondes du sub sur les 10 minutes là. Donc c'est du très très bon gameplay. Après je peux gold beau encore hein, mais bon. Forest Medallion c'est chaud le gold. Il va falloir vraiment un split parfait quoi. Enter Water, il y a moyen, mais bon. Compliqué quand même. Hein. Je suis le late game insane. Hein. J'ai joué 22 secondes en dessous de mon Sum of Best. Et j'ai encore gold Ganon. Je sais même pas d'où il sort le time save. Si en vrai non, si le collapse skip était bon. C'était juste le collapse skip, j'ai eu la super slide à la fin. Bon. Bah apparemment je peux avoir une run qui est 3 minutes devant ça à Boomerang.
La médiane elle est quand même bien pétée. Hein. Ma médiane elle est en dessous de mon PV, genre. La médiane de SRC quand tu fais pas de no reset. Hey, what's up there? Hi, good on Blair. Appreciate you stopping by. Yeah, I'm doing well. Just playing games fast, or moderately fast. Hope you're doing well as well. Is there a raid target that's online? Oh yeah, it's always kind of ass to manage when that happens. Hope you feel consistently better soon. Yeah, I'll be down for that, although I'll be kind of busy in the next weeks. I have to prepare for a project. Hey, good night, girl. Bon, il y a Glitchy qui fait du 100%, mais bon... J'ai toujours du mal avec le fait de raid des streamers qui sont 4 fois plus gros que moi. Je me dis qu'ils ont pas forcément besoin des viewers. Yeah, sure. Will do if I remember. And I will probably forget, though it's... Not because I don't want to, it's just that I am very forgetful with that kind of stuff. On va être Blake. It sounds good. Have a good one. Bon, je sais pas, je trouve ça un peu bizarre quand t'arrives sur un stream de 300 personnes et que tu lances un raid de 2 personnes. Bon. Allez, un raid Blake. Personne très très sympa, elle fait du... Kirby, du Kirby, comme diraient les anglo-saxons. Personne très sympa. Stream très très chill, donc go lui souhaiter bonne chance. Et puis moi, bah, je vais continuer à stream. Dans la semaine, je pense pas que je serai aussi présent que les 2-3 dernières semaines. Parce que j'aurai des trucs à faire IRL. J'aurai des deadlines qui approchent. Mais je vais quand même essayer de stream pour pas perdre de niveau. Allez, des bisous. Tchuss.